Bonjour, heureuse du monde. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un lieu spécial sur Lomé. Si vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Michel Arnaud Magelan, je suis votre présentateur numéro 1. Installez-vous confortablement en vous abonnant, mais aussi en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à tout de suite après le générique. Grâce à l'aide d'un bon samaritain, j'ai pu emprunter un taxi moto pour enfin me rendre à ce lieu. 600 francs pour le trajet, c'est un peu élevé ici, et ça indique que c'est un endroit assez éloigné du centre-ville. J'avoue que j'étais un peu hésitant, comme ma foi chrétienne ne va pas de pair avec ce que je vais découvrir. Mais j'étais tout de même curieux de découvrir ce lieu, qui est sans nul doute un site touristique très connu à Lomé. Après une dizaine de minutes, en rentrant à Kessedewa, un quartier populaire à l'est de Lomé, c'est de là que se situe le marché des fétiches. À l'entrée, on voit des drapeaux du Bénin, ce qui nous indique que tous les marchands et guides de ce coin sont des sujets béninois. J'ai payé 5000 francs CFA pour un droit d'entrée et une visite guidée avec une permission de filmer. J'ai rencontré Athanas, un guide commerçant toujours prêt à faire découvrir aux touristes ces choses très étonnantes. Ça a été créé ici, dans l'Afrique, en 1863. On trouve plusieurs carcasses d'hiboux, des têtes et des crânes de plusieurs animaux prêtes à être réduits en poudre et mélangés à des herbes pour servir de remède ou de protection. Donc ça, c'est une pharmacie africaine. Vous voyez. Ce moment, par exemple, nous n'avons pas de médecine ici dans l'Afrique, mais il y a beaucoup de gens qui sont tombés certaines maladies dans ce temps. Donc comment on peut faire guérir des gens? Nos parents, les grands féticheurs, avec les guérisseurs, ils ont commencé par venir prendre la tête des animaux, avec les oiseaux, pour prendre, avec les plantes, pour faire mélanger, pour faire des médicaments traditionnels. Et ils vous présenteront à coup sûr des pierres assez spéciales. Ça, c'est une pierre. Et la pierre que vous voyez ici maintenant, cette pierre-là, dans notre langue, nous prenons son enfant, ça s'appelle sopin, dans notre langue du fond. Sopin en français, ça c'est la pierre du tonnerre. Donc ça vient du ciel. Quand tonnerre gronde, c'est cette pierre qu'on foudroyait pour chasser les mauvais esprits. Par avant, dans l'Afrique, ça juste comme le monnaie. Au niveau de blé de méfant. Quand tu as pris ça dans ce temps pour aller au marché, tu achètes quelque chose comme un petit trou dedans, mettre la ficelle pour attacher au rein contre le voleur. Arriver au niveau du marché et vous le tenez pour l'acheter ce qu'on voulait avec ça. Après, on donne les reliquats et les coquillages. Quand vous avez trouvé les fours avec les statues comme ça, ce sont des décorations pour la représentation pour le dieu du tonnerre. Vous voyez, le monsieur s'appelle Avlekete, madame elle s'appelle Avlisi. Donc c'est le couple. Vous m'avez compris. Que même quand on fait la prière sur ça, qu'on fait la bénédiction qu'on met dans la maison, ça chasse les mauvais esprits dans la maison avec les fours. Outre des fétiches comme remède naturel ou protection, ils vous présenteront des fétiches qui traitent des problèmes d'amour. Le fétiche, ça, le fétiche de l'amour. De là? Pour l'amour, pour l'avoir un bon fiancé. Ou soit quand tu es déjà fiancé, mais toujours à des discussions avec vous. Vous appelez la personne tellement, et quand vous appelez, ne retourne pas toujours, il gonfle comme ça avec vous. Si vous avez besoin pour lui attirer, nous avons un certain fétiche dedans, dans le camion qu'on utilise avec le parfum. D'après, vous approchez la personne, quand elle est sans doute odeur de parfum, c'est venu votre amour, ça va lui attirer. Vous avez dit quelque chose, il va répondre toujours oui. Pas de divorce entre vous. Et c'est qui cette statue? Ça, c'est une représentation pour les revenants. Ah. Ah, ici, nous avons le grand fétiche qui nous a protégé pour tout le monde. Et le fétiche que vous voyez dans notre langue, nous pirons son enfant, ça s'appelle Gou. Gou en français, c'est le dieu du fer. Donc, c'est bon pour les forgerons et mécaniciens, chauffeurs, couturiers, pour tout le monde. Celui qui travaille avec du métal. Quand tu as un certain problème, arrivé ici, on demande le vœu, l'amélioration. Chaque fin d'année, le fétiche.
si on donne de l'argent, on cherche des nécessaires pour faire la cérémonie. On cherche une vache avec le mouton, et le poule, et le porc. On prépare haricots, boisson sucrée, quand on fait la cérémonie, on gorge la tête des animaux, on met le sang dans le calebasse. Et après, on fait certaines bénédictions sur ça qu'on fait ça sur les fétiches. En dehors de ça, on fait le tam-tam pour les fétiches pour faire la remerciement. Donc, c'est bon pour peau blanche, peau noire, l'asiatique, chrétien, musulman, pour tout le monde. Donc, dans notre marché, nous sommes des marchés blancs ici et pour contre les marchés noirs. Là, nous avons les vertèbres pour les serpents. Pour faire guérir le rhumatisme. Ce nous ne veut pas pour faire la cicatrice avec eux. Nous, l'Africain, commençons à imprimer une petite quantité avec la crème de chèvre qu'on mélange avec les plantes pour grandir. Et ça devient le poudre. On prend un petit lame pour faire la cicatrice. On tue les genoux, on met que dedans. Ça disparaît. Quand les blancs ne l'aiment pas qu'on fait la cicatrice avec eux, on fait la bénédiction sur la personne, mais ça se fait. Pendant moins quelques temps, ça a commencé par disparaître pour guérir l'aromatique. Mais il y a des gens qui l'aiment comme souvenir, les musiciennes aussi. Quand tu viens comme souvenir, on achète. Voilà. Ce sont des vertèbres pour les personnes. Après la présentation des différents objets à l'extérieur, Athanas me conduit dans un lieu spécial où se situe l'un des fils des grands féticheurs. Et là-bas, d'autres objets me seront présentés. Voilà, le fétiche que vous avez en main, dans notre langue, nous pions son enfant. Ça s'appelle Soudémé dans notre langue. Soudémé, c'est le français qui est nommé le nom, le téléphone fétiche. Pour le voyage, pour contre les accidents, pour le voyage. Quand tu vas le voyager, il y a un petit trou ici parmi que vous. Votre dépend du voyage, on prenait comme ça quand on souhaite dans les petits trous. Par exemple, on dit mon téléphone fétiche. Je m'en vais au voyage. Je ne veux pas d'accident au cours de mon voyage en avion, voiture et des motos. Je veux voir mon parent en joie. Après, ça finit votre souhait dedans et vous le fermez. Quand on ferme, on met ça en poche ou soit dans un sac de voyage. C'est ça qui protège les voyages contre les accidents partout. Et ça s'appelle Dabakouin. Dabakouin, c'est la graine du bois de l'ébène. C'est le fruit de l'ébène que tu peux trouver pour l'autre marché. Il y a des gens pour faire le collier avec ça, avec le porte-clés pour promener. Ce sont des naturels. Mais pour nous que vous voyez ici, on a déjà préparé pour alimenter pour la mémoire, pour bien dormir, celui qui sent du mauvais accouchement, mauvais insomnie, il peut utiliser. Ça s'appelle Tila. Tila. C'est le français qui a nommé le nord, le gris-gris. Donc c'est ça qu'on fait pour la gris-gris, pour la chance. Et puis à l'intérieur, nous avons 41 plantes, les différentes sortes de herbes à l'intérieur. Quand on met ça sous le cou comme ça, ça protège la santé pour contre les maladies. Et puis ça aussi, ça c'est une détente pour contre le poison avec le trog. Si vous en avez sur vous, personne ne peut pas vous poisonner. Quand vous n'aimez pas prendre ça à vous, tu peux rouler comme ça. On va bien cacher qu'on met dans la poche, soit dans la salle. Par exemple, vous en avez sur vous et puis on ne sait jamais, on a vous invité à quelque part. Et vous êtes dans l'ensemble pour faire la santé avec tes amis, mais vous ne savez pas qu'il y a un ennemi là-bas pour vous les guetter. Et le temps que vous êtes ensemble, vous les laissez votre verre pour aller pisser, vous soit vous laissez votre verre pour aller aux toilettes. Le temps que tu as quitté là-bas, ennemi qui est à côté de vous, il voit l'occasion et puis il met le poison dans votre verre, soit le drogue. Votre retour, tu ne sais rien. Le temps que vous êtes arrivé pour accrocher sur la table, quand vous faites attention, ça va devenir un signe que vous avez trouvé la plume rouge d'une perruque de dans le verre. Puis ça va en train de tourner comme ça dans le verre. Mais si vous êtes un peu saoulé, vous ne comptez plus le verre. Le temps que tu viens en même temps, quand tu ne sais pas quand tu prenais le verre comme ça, ça va brûler comme le feu. J'ai bien vous expliquer le camino dehors, ça c'est pour le vider pour ça. Dans ce fétiche que vous voyez dans notre langue, nous pirons son enfant, ça s'appelle Wainu. Wainu, c'est les Français qui ont nommé le nom le 10 mois oui de l'amour. Quand monsieur dit quelque chose, madame dit oui, ou soit madame dit quelque chose, monsieur dit d'accord, l'amour inséparable, pas de divorce entre vous. Par exemple, quand tu es déjà fiancé, tu as des discussions avec vous. Soit tu l'aimes la personne que je vous ai dit avant, et puis mais quand vous appelez, il gonfle, on ne veut pas vous approcher, il fait gros dos. Quand tu es conscient du nom de la personne, et arrivé à la maison, on prenait comme ça, on mettait ça, la main gauche. Et après, vous voulez chercher votre parfum préféré, tu aimes ça ou bien, vous voulez verser ça trois gouttes de la suite, chut, trois gouttes du parfum, tu l'appelles au nom de la L7 fois. Si par exemple, si elle s'appelle Jeanne, tu peux dire Jeanne.
Jeanne, cette fois là-dessus. Votre nom aussi, Michel, par exemple, cette fois. Maintenant, vous le dites, votre vœu, comment vous voulez, votre vous aimer la personne, votre l'amour, cela toujours uni, sans se faire. Vous voyez. Puis donc, en français, c'est le charge batterie. Parce qu'au Gabon, il y a comme un bois comme ça qu'on appelle la résine, bon, enfin, qui produit une sève qu'on appelle la résine. Ah bon. Je ne sais pas si c'est pareil. Mais ça, pour nous, ça s'appelle quoi? Okay. Donc ça, c'est naturellement africain Viagra. Ça, c'est aphrodisiaque pour les hommes. C'est charge batterie. Et comment quoi, on pourrait arriver à la maison, tu vas bien laver avec de l'eau. Et après, vous les cherchez mes boissons que tu aimes pour prendre. Si c'est gin, whisky, campagne, même vin blanc, vin rouge, ou soit africain, gin, soudari aussi, c'est bon. Et tu le coupes un petit morceau, tu mets dans le verre pour le verser de boisson de votre choix là-dessus. Bien couvrir, laisser pendant 30 minutes. Et après, tu prends un petit verre. Après 5 minutes, tu vas voir Madame Olivier. Dans la nuit, mon Dieu, tu vas travailler comme le taureau. Quand Madame vous dit pardon, ah, mais ce n'est pas encore fini. Ça, c'est 25 ans de garantie. Ça, c'est la vérité pour les hommes. Aphrodisiaque. Et donc, c'était une vidéo sur le marché des fétiches. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me. Bye bye.